Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parler vite au côté déclaration plusieurs citoyens en vie nationale là, tant que Pierre Espérance, André Michel, avocat Yves Jean-Bart, avec plusieurs autres citoyens en vie nationale là. Mais avant nous faire ça, l'équipe Bombard Media Now là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous. Positif ou bien négatif. Ici dans Bombard de Police et qui Bombard Media Now là nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification hein. Ça permet de vous faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a dérouler avec information yo en ouais. Et NDDH en bas menace avec persécution d'après déclaration Pierre Espérance, li di PNH la mette barbecue qui c'est un bandit. Nan chablende pour aller faire massacre sur peuple là dans village de Dieu. Nous voulons faire connaître tout André Michel sorti dans silence pour même dossier RNDD à ça. Nous pas invité au côté déclaration citoyen ça. Président Fédération haïtienne nan Jean Baté répond invitation dans commissaire quoi des bouquins côté nous connaît citoyen ça gagne accusation de viol sous dossier. Et nous voulons faire connaître tout professeur continue à demander l'état haïtien pour payer parce que au travail yo pourquoi jamais touché. C'est information ça nous porter pour vous avec plaisir l'autre. Nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Bon, mon pas il pas porter support. Moi je porter support par RNDDH parce que on est RNDDH en bas menace avec persécution. Et bon, comme travail n'a fait assez pour population, yo ouais que c'est pour on a travail. Et parce que les peuple haïtien bail tout ça ni pour liberté d'expression. Liberté d'association et je vous dis à nous pas quitter aucun apprenti dictateur et tirer à qui ça dans mes peuples haïtiens. Qu'est-ce que ça veut dire pour persécution ça? Bon, travail nous et où qu'on est et où on peut voir qui n'a connivence avec bandit et bandit qui implique dans ces massacres dans le pays à une protection pouvoir et même pouvoir ça veut utiliser bandit pour aller déloger et bandit et nous dit que si on désarme manque à faire dans le pays à faut et lui passer d'abord par des mesures autorités de prendre pour freiner les armes illégales, bloquer les armes illégales avec munitions qui sont entrées dans le pays. Haïti n'a pas fait des armes avec munitions. Les armes sont entrées dans le aéroport avec frontières. Et j'en suis capable de constater, les bandits sont plus bien équipés, passer la police, et les armes bandits sont pas jamais bébé. C'est ça, oui, nous avons dénoncé qui fait parler de nous. Mais RNDDH est une organisation qui a une racine dans la société. Pays a remis travail, institution a fait. Nous pas piti ni sangado. Et donc, population a bé. Et c'est ça que fait Mounio là. Solidarité, c'est pour bagaille qu'on commande. Donc, Mounio là, c'est parce que remis travail RNDDH. Est-ce que si vous avez quitté l'opération en fait, et après vous pouvez dénoncer le département pas mieux? Qui opération? Pour RNDDH, tu es d'accord que la police prend barbecue avec gang et base pilote pour massacrer la population et village de Dieu. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Dans le village de Dieu, nous reconnaissons que il y a des gens qui ont fait ça, qui sont impliqués dans le kidnapping. Mais pour déloger les bandits, il faut que bon chance de service renseignement, côté que la police a fait filature, l'identifier bandit ça et puis ils ont arrêté. Ils n'ont pas capable de prendre bandit pour aller déloger bandit. Et c'est barbecue. Parce que à nos autorités, les autres ont attaqué le village de Dieu. Mais deux semaines avant ça, barbecue dit il a besoin de 19 policiers pour la clean, pour la nettoyer le village de Dieu. Et il te dit déjà 19 policiers avec lui. Donc bandit pas capable de déloger bandit. Non mais est-ce que nous prenons ça tout comme une vérité absolue pour que l'opération va mener? Qui opération parler? Opération la police face à bandit. La police pas une volonté pour mener opération et face à bandit. Parce que l'institution police est très faible et ce n'est pas l'autorité politique qui peut annoncer
et opération. Toute opération policière, c'est des bagages qui sont bien planifiés et ils n'ont pas annoncé ça publiquement. Ou pas qu'à faire ça. Pas de opération vraie qui t'a pas fait village de Dieu. Peut-être que tu as planifié un massacre, même pas. Ce n'est pas une opération. Je ne sais pas jamais qu'on ait annoncé opération policière. Ça va faire. Alors c'est Fomna qui va bon. Ça veut le Fomna. Par rapport avec l'annonce qui fait par le massacre. C'est pas une question forme seulement. Maintenant, c'est barbecue avec bandit dans la base Pilate qui était prêt pour mettre dans le char la police pour aller massacrer le monde. Village de Dieu, nous pas d'accord. Nous disons oui, faut que déloger bandit dans le village de Dieu. Bandit qui n'a cité soleil. Ça qui n'a la ville. Ça qui n'a pas de Pilate. Notre présence s'inscrit dans l'état d'une solidarité. Et c'est-à-dire c'est un soutien, c'est un support que nous apportons à cette structure qui est victime de la persécution politique. Pas oublier que RNDDH sont structures qui rendent en pile service à la société. C'est grâce aux différents rapports produit par RNDDH, les populations, je viens de dire, arrivent à connaître. Et puis la paquet de monde qui est impliqué dans la dilapidation du fonds Petro-Caribe. C'est grâce à différents rapports produits par RNDDH, les populations arrivent à connaître. Puis la paquet de monde qui est impliqué dans la dilapidation du fonds d'Hermalong. C'est grâce aux différents rapports produits par le réseau national de défense des droits humains que nous sommes parvenus à savoir les gens qui se sont impliqués dans le massacre de la Saline. C'est grâce aux différents rapports produits par le réseau national de défense des droits humains que nous arrivons à connaître plus la paquet de monde qui est impliqué dans le massacre, la corruption, la dilapidation, le génocide, l'assassinat à différents coins du pays. Donc nous comprenons pour qui ça joue aujourd'hui là, et qui peut pouvoir là, et à dégager le coup de déjà plus loin, pour mettre le cas éteindre RNDDH. Donc ça nous ne dit pas là, nous ne dit pas là que ça qui passe aujourd'hui là, à RNDDH là, c'est une persécution politique. Mais nous comprenons tout comme nous actes de lâcheté. Pour qui ça? C'est sûr qu'il y a l'espérance sur les rivets. Mais d'abord, il était passé par administratrice de structure là, Madame Jean-Pierre. Même nous te projetons, nous te connaissons directement, c'est sous Pierre Espérance que tu es venu arriver. Mais voilà, vous comprenez. C'est que M. PHTK, il a regardé le pouvoir là. Mais pour regarder le pouvoir là, il faut que des possibilités pour réaliser des élections frauduleuses. Et pour réaliser des élections frauduleuses, il faut pas avoir des structures qui font dénonciation. Et une structure qui fait dénonciation, ou bien qui s'engage activement à faire des dénonciations, c'est le réseau national de défense des droits humains. Donc si vous n'oubliez pas vos mouvements, c'est que RNDDH. Que présence nous là devant RNDDH, les circonscrits pratiquement l'encadre du solidarité. Alors, en tant qu'avocat, nous sommes là, comme l'a dit Maître Maisonneuve, c'est un signe de soutien aux responsables de la RNDDH. Alors, ce qui est important, c'est que nous dénonçons cette atteinte à la liberté individuelle dont est l'objet l'administratrice de la RNDDH. Alors, on salue Zamil, qui est le chef du cabinet, le directeur de l'ESCC. Mon ami, mon frère, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais de grâce, vous êtes entré
de mal conseiller le directeur parce que l'USCC ne peut émettre un avis de recherche. L'USCC est une instance statuant sur les coûts financiers. Après son rapport, il devra déférer le dossier au parquet. Et il disait, le parquet peut préparer un mandat d'amener. Sauf au flagrant délit. Sauf au flagrant délit. Voilà pourquoi nous assimilons cet avis de recherche à une atteinte à la liberté individuelle. Seul un juge d'instruction peut émettre un mandat d'amener, un avis de recherche, lorsqu'il constate que les indices se prolongent, les preuves se prolongent, les charges sont constantes, et de là et donc, l'État émettre un avis de recherche. Alors, on a demandé, directeur USCCA, ainsi que son conseiller, qu'ils se ressaisissent et que l'État, l'autorité centrale, le pouvoir exécutif, s'arrange pour assurer la sécurité de tout ce parce que nous avons tant de gens nous pas accepter que genre de comportement ça, genre d'agissement ça. Merci. Devant RNDDH, c'est une raison très simple. Raison où la population fait solidarité avec RNDDH là, parce que réseau national de défense des droits humains. Lui pas, ou pas même besoin d'expliquer, ou guitar ouest, c'est un groupe monde qui prend et destin, qui prend courage à demain, qui a défendu les droits humains dans le pays. Dans tout pays dans le monde, il y a des organismes de défense des droits humains. Mais après tout massacre qui s'est fait dans la Saline, dans Tokyo, dans Tafoufeuille, côté réseau national de défense des droits humains, qui a dénoncé massacre ça au PHTK, Jovenel Moïse, fait dans le pays. Depuis lors, il a servi RNDDH, Pierre Espérance, la persécution politique. Je dis à nous-mêmes, nous campons devant le local RNDDH dans Riel Rivière numéro 9, c'est pour nous dire, un, nous ne pouvons pas tourner dans la période du Valier-Risla encore. La période du Valier-Risla, c'est côté monde, dès qu'on a mis les gens sur place publique pour tuer. C'est côté où on a fait tout intellectuel, tout le monde qui était capable de quitter le pays. C'est ça que fait nous. Ouais, de 1957 à 63, François Duvalier était dit qu'il fait attaque sur Petit Lyon 63, il était fait carnage, il était tué un paquet de monde dans votre presse. Et même pour avoir acheté ça après pour tuer le monde toujours, après tout massacre que ça a fait sur la population. Je dis à nous là, nous dit Pierre Espérance, RNDDH, continuez à faire travail. C'est Pierre Espérance, je dis à si massacre monde la saligne, car il a connu le défaut massacre sur le monde la saligne, non. Monde là, États-Unis et en France et Canada, etc. C'est ça que fait pouvoir PHTK à menacer Pierre Espérance. Nous dit population, côté collé, monde qui va qu'à venir, ou mettre écrit sur les réseaux sociaux, baron texte avec RNDDH. Monde qui l'a caillou, fait ses parties, voter ses parties de solidarité nous avec RNDDH. Nous présent, il dit RNDDH, Pierre Espérance, il n'y a pas beaucoup de lui, là, bon côté, et bataille là, à continuer, parce que si tu es bon état de droit dans le pays, c'est pas persécution politique que tu as fait. C'est procès de Tocaribia que tu as fait, c'est procès de la CKP que tu as fait, c'est procès, c'est IRH là, c'est IRH là, qui t'a fait, c'est gaz qui descend sur le marché international, là, c'est le cap descend. Je dis à nous, petite population haïtienne, levez campé, restez raide, parce que bataille a continué jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Et nous avons fait annonce pour la population, 18 mai, tout le monde, Cafou Résistance là, chef de masse, Pétionville, c'est un point de repère en manifestation 18 mai. Merci. Institutionnel, la tâche. Nous changer position. Et c'est ça que fait toutes ces opérations, distribution, produits, tant que masse, alcool, bouquet, sanitizer, toutes ces opérations sensibiliser la population à la question du coronavirus là, c'est des opérations nous faisons dans le cadre de comportement de solidarité. La faire solidarité avec frères et sœurs nous. Qui le pays a, mais ce n'est pas élection à faire, ce n'est pas élection à préparer. Et si ça fait, ça nous distribuons, pas dans le secteur démocratique là qui écrit sur nous, pas dans aucun monde qui dit qui écrit sur nous, parce que nous n'avons pas une campagne électorale avec Jovenel Moïse, positionnons-nous même bagaille là,
solution crise là, c'est démission Jovenel Moïse le plus vite possible, procès Petro-Caribé, conférence nationale et une transition de rupture. Une transition qui peut permettre que nous balayons, écraser le système d'exclusion qu'il a depuis plus de 200 ans, pour nous construire notre pays. Nous sommes dans une bataille de fond, nous parlons de bataille électoraliste, pour redire encore. Et que ce démission Jovenel Moïse là, c'est une mobilisation qui peut balayer le plus vite possible. Même si, car c'est notre bagaille, sur le plan constitutionnel, le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Et c'est l'article 134-2 qui le dit sans aucune possibilité de confusion. La loi est claire, le mandat de Jovenel Moïse a commencé le 7 février 2016. Son mandat prend fin constitutionnellement le 7 février 2021, même si mobilisation a supposé, mobilisation a doué, renverser Jovenel Moïse avant 7 février 2021. Et il faut comprendre bien, le président a réussi de faire 3 ans en exil. Et Meltoné n'est pas capable de faire plus que tant de faire sous pouvoir, parce que ni tant Cédras t'es fait, ni tant Bazin t'es fait, il y a tout tes côtés. Le mandat Jean-Bertrand Aristide là, alors qu'il a fait 3 ans en exil. Sous base même constitution ça. Le président Jean-Bertrand Aristide a perdu 3 ans dans le mandat là, et pas qu'à récupérer. La raison est simple, la loi est dure, mais c'est la loi. La constitution est claire. Si il y a un retard, je vais perdre 9 mois, je vais perdre 1 an, c'est la constitution. Mandat là, pas jamais capable d'aller au-delà du 7 février 2021. Parce que c'est la constitution. Et là, c'est clair, la transition est inévitable. Parce que pas de possibilité pour une élection avec Jovenel Moïse. Pas de possibilité pour l'élection, nous pour aller tout droit. La transition, transition de rupture. Peuple a souhaité, peuple a bataille pour l'IA. Si ça fait un abdi, tout candidat qui a pressé, fait campagne électorale, dès que font le monsieur, qu'il n'y a pas l'élection avec Jovenel Moïse. Pays à la transition, pays à la conférence nationale, pays à la procès Petro-Caribé. Solidarité secteur démocratique là, opposition institutionnelle là, à tout le monde qui a subi persécution politique dans le moment ça. Dans pile policier qui n'a bataille dans la police là pour gagner au syndicat, je dis là, il a subi persécution, je parle avec vous hier soir, je parle avec vous matin. Gagner qui est en prison, c'est que Jean-Pascal Alexandre. Qui sont policiers 24e promotion, qui ont arrêté depuis vendredi passé. Ils ont demandé est-ce qu'ils sont d'accord pour gagner le syndicat dans la police. Ils ont demandé est-ce qu'ils sont d'accord pour payer les policiers 50 000 gouttes. Mais ce n'est pas normal. Ou pas qu'à arrêter un policier parce qu'il est d'accord pour gagner le syndicat dans la police. Ou pas qu'à arrêter un policier parce qu'il a demandé de meilleures conditions de travail. Nous exigeons la libération de ce policier parce que l'arrestation, ça a eu, c'est persécution politique. Et il y a l'autre monde qui veut pour gagner le syndicat, qui a bataillé un syndicat, qui a subi persécution politique, il a convoqué la direction générale, il a fait des bureaux, il a fait inspection générale, il a fait oppression. Le secteur démocratique condamne et rejette toute forme de persécution politique, toute forme de manœuvre d'intimidation contre des policiers qui se battent dans un pays extrêmement difficile pour sécuriser une population en détresse. Et dans le DDH, dans pile, persécution a fait sous lit. Mon directeur ULCC, M. Orphelin Vincent, son aide qui était dans la justice déjà, était révoqué pour corruption pour droit l'homme, était révoqué pour incompétence. Et je dis là, c'est ce même Orphelin Vincent qui veut le directeur ULCC, et c'est lui-même qui a persécuté RNDDH. Il mettait avis de recherche contre Mme Jean-Pierre, l'administratrice du RNDDH. Ça, c'est les persécutions politiques. Ça, c'est les intimidations politiques. Par aucun côté, dans la loi ULCC a dit, ULCC a le droit à arrêter les gens en état. Ça n'a pas existé. Même si vous toutes les bagailles qui dit dans la loi, on n'a pas dit que ULCC a le droit pour arrêter les gens, mettre les gens en état. Ça n'existe pas. Bref, c'est persécution politique, c'est répression politique, parce que c'est RNDDH qui te font un gros rapport sur le massacre à Saline, qui permet de connaître quantité de monde qui mourit à Saline ou assassiné à Saline. Plus passer 71 monde. C'est RNDDH qui fait connaître combien de filles étaient venues à Saline, combien de femmes enceintes qui étaient mortes. Voilà pourquoi le pouvoir veut abattre
Pierre Espérance et le NDDH. Ils voulaient écraser NDDH parce que NDDH te fait rapport sur le massacre Belay. Ils montraient ces barbecues au chef d'un proche pouvoir qui participait ni à massacre La Saline ni à massacre Belay. Ils voulaient écraser NDDH parce que c'est eux-mêmes qui font rapport sur la quantité de monde qui ont assassiné les manifestations, la quantité de prisonniers politiques. Voilà pourquoi on veut les abattre. On veut les détruire. Nous apportons toute la solidarité de l'opposition institutionnelle et du secteur démocratique et populaire au NDDH. C'est un problème dans le pays. Mais même pas comme ça t'a passé. C'est LNDDH qui font un rapport qui montre nous. C'est même les qui sont au pouvoir qui vont les âmes par les qui gagnent et capturer les quartiers populaires. C'est même les qui sont au pouvoir qui vont l'argent par les gangs. Ça veut dire c'est pouvoir qui a alimenté dans le bas les âmes par l'argent. C'est LNDDH qui fait compte tout ça. Et voilà pourquoi. Le pouvoir de Jovenel Moïse mettait ensemble avec un bon autre monde pour essayer d'écraser NDDH, écraser Pierre Espérance. Nous disons non à cette situation de répression et de persécution politique. Et nous Dadou Jambard, il n'y a pas un dossier en justice. Il y a des allégations qu'un journaliste qui est De Gordon qui est en Angleterre fait, et avec un journaliste qui est en première ligne, mais pas un journaliste, avec un Français qui est en première ligne, qui relaie Romain Molina. Il fait des allégations, il crée un scandale, mais pas un dossier. Dadou Jambard, il n'y a pas un dossier en justice. Mais plus que un scandale qui fait, le commissaire du gouvernement, la fournie, j'ai regardé, nous besoin qu'on ait qui s'est passé directement. Donc, ça fait que, hier, le commissaire du gouvernement, il tendait 9 personnes dans la Fédération haïtienne de football. Il y a toute une série d'organisations internationales qui visitent la fédération pour nous connaître le pourquoi de cette affaire. Donc, pour le moment, pas de dossier, pas de victime, pas de plaignant. Ça me permet de nous retenir. Nous avons un dossier qui concernait abus sexuels. Si pas de victime, si pas de plaignant, pas de abus sexuels. Jusqu'à présent, nous faisons face à une machination qui visait un seul objectif, c'est déloger Dadou Jambard de la Fédération haïtienne de football. Dadou Jambard n'est pas en train de démissionner et n'a pas de pieds fermes. Nous qui victimes nous. Attendez. Commissaire du gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de dossier contre M. Jambard. Il était remis à mener enquête. Il était espéré que protagonistes, organisations femmes, journalistes qui ont parlé en pile dans la radio, nous avons joué sur le réseau, il était espéré que Mounsayo a identifié des victimes. Mais plus que après 15 jours de scandale, pas de victimes, pas de dossier. Mais nous avons poussé le dossier très très loin. Nous déposons une plainte pour subornation de témoins. Nous avons tant que nous inventé victimes. Et là, ça n'a poursuivi victimes supposées et n'a poursuivi les gens qui ont débarrassé à autour. Moi, j'annonce déjà formellement, à partir de la semaine prochaine, nous avons communiqué à la presse en général documents judiciaires de plainte que nous avons déposé en France contre Romain Molina. Parce que pas de chantage, pas de surenchère. Il faut que victime nous sorti dans la colonne journal des Guardian. Si vous avez plaignant, si vous avez victime, il faut que vous manifestez physiquement devant la justice haïtienne. Nous avons créé un scandale, nous avons créé un flou. Dadou Jambard, il y a 20 ans, il a résisté face à des accusations de corruption, il a continué à résister. Donc jusqu'à présent, c'est une machination, c'est un complot des traites, des haïtiens qui sont des traites.
Je mettais avec un petit blanc, un certain Romain Molina, que vous qualifiez de pique, de voyou, c'est lui qui a fait tout des autres saillots. N'a poursuivi devant tribunal et en Haïti et à l'étranger. Pour nous finir, commissaire du gouvernement, n'a continué à regarder toujours. Nous, il n'y a pas de problème, continue à regarder. Il y a un monde qui va donner la semaine prochaine. Donc, je vais nous retourner, Je vais nous retourner jeudi, la retourner. Je vais venir chaque jour si livré. 11h. Je vais venir chaque jour si livré. Parce que faut que je vienne avec Simio. Nous avons que tout le monde retenu. Il y a un dossier jusqu'à date, il y a une machination, un complot, parce que victime ne pourra pas joindre. C'est ça, madame, seulement. Non, le PAM, c'est Sefoedi, Diedi Privé, secrétaire général, opération Chavire Chaudière pour Nouvelle Haïti. Je suis venu là à matin, hein, m'accompagner. Il y a une équipe dirigeant politique, m'accompagner avocat. Même je m'étais fait pour journalistes, les journalistes ont fait marche Petionville, m'étais accompagné les journalistes. Ils m'ont attaché PHTK, ils ont été tirés en bois à présence journalistes. Présence là, c'est pour nous porter soutien à prisonniers politiques que Bernard Saint-Ville, on prête droit sous Bernard Saint-Ville, qui oublie quand il est sorti. Bernard Saint-Ville oublie si c'est la valasse liée. Doyen Bernard Saint-Ville oublie si c'est la valasse liée. Doyen Bernard Saint-Ville oublie si c'est la masse peuple à le sorti. Doyen Bernard Saint-Ville a compi Anel Belize, Babas, Job, Kilik. Et plus l'autre prisonnier politique. Doyen Bernard Saint-Ville oublie si Kilik, la troisième année, c'est juridique. Demain, si vous voulez, Kilik Kavin, la même position avec elle. Doyen Bernard Saint-Ville oublie si Anel Belize, son ancien député, on est ancien haut dignité de l'État qui t'a voté la loi pour le pays. Et m'a dit à Doyen Bernard Saint-Ville, ressaisis si c'est le dans milieu, ressaisis parce que le prisonnier politique, c'est lui-même qui l'a posé en deux prison pour le faire pouvoir plaisir, parce que l'idée est Job, premier ministre. Et m'a dit à Doyen Bernard Saint-Ville, créons peuple par des gommes, le peuple a les devoirs. Pour corriger des voix, laisse à Pigal dit peuple à mes soeurs. Nous connaissons après déclaration ça me fait là. Pouvoir pour mettre machine répression de M pour la Gemada. Si Yvonne Neptune était pour prison, si Jocelyn Privé était pour prison, ce n'est pas moi qui ne peux pas prendre prison. Prison pas cimetière. Et m'a dit à Doyen Bernard Saint-Ville, une dernière fois encore, ressaisis. Parce que livre fait pouvoir plaisir, demain si vous voulez pouvoir pas plat. C'est parce qu'elle besoin poste ministre justice. C'est ça que fait l'Ikembe prisonnier politique dans la prison, spécialement Job en 50 disciples salésiens, Anel Belize Frem, Kilik Frem et Babas, toute l'autre prisonnier politique. Nous-mêmes, l'opération Chavire Chaudière pour Nouvelle Haïti, nous dit non. Que nous déplorons, nous dénoncer toutes actes arbitraires que pouvoir faire sous masse peuple et pouvoir faire sous spécialement sous Pierre Espérance, et nous dénoncer ces actes pouvoir faire tout sous police nationale là qui a revendiqué droit pour vivre dans le commun, même je peux revendiquer droit pour vivre normal.
normal pour vivre à l'aise là. Et nous dénoncer cet arbitraire que pouvoir faire sur agent BLTS 24e promotion qui remettait la prison parce que l'a défendre droit, l'a défendre intérieur comment pour vivre comme nous. Et nous dit pour mettre fin, nous dit à doyen dans cette ville, ressaisis-le. Ressaisis-le. Connaissez la valence, connaissez de la valence qui sortit. Connaissez de la peuple qui sortit. Prisonnier politique, pas qu'à être prison doyen dans cette ville, pas faire pouvoir plaisir parce que pouvoir pas maintenant plus le temps pour l'aller. Et le pouvoir aller, le peuple a bon pour pas dire peuple méchant. Merci. Même c'est Saint-Foyedi, Diédi Privé, secrétaire général opération Charlie Chaudière, même secteur opposition radicale là. Parce que la presse parle écrit. Nous avons la presse parler aussi à télévisée et nous avons travaillé à faire dans le pays. Et nous profité de dire aujourd'hui, nous même bloc avocat engagé pour libération pour les politiques, de concert avec Viva Haïti qui est représenté par M. Biou Odige, nous choisissons place constitution qui sont place historique pour nous venir dans conférence de presse pour nous dénoncer premièrement les situations aux prisonniers politiques. Deux, gestion de COVID-19 et puis pour annoncer l'hommage que nous-mêmes, même bloc avocat engagé pour libération des prisonniers politiques, nous mettons Dieu Baptiste, et puis on dirige, on a organisé, qui a commencé devant 18 mai, qui a commencé devant Cour de cassation et qui a fini devant le ministère de la Justice. Pour nous dire, Machia pour nous dit, avec pouvoir législatif, pour prendre responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas accepter pour Jean-Pierre Fleuret. Nous ne pouvons pas accepter pour Jean-Pierre Fleuret, un jeune garçon professionnel, Jean-Pierre Fleuret à la job, en tant qu'ils ont toujours côté au certain de Goliath battre l'Iltebel. Nous ne pouvons pas accepter pour Kimik, un étudiant droit, en tant qu'ils ont toujours parce qu'elle ne va commettre ni crime, ni délit, ni contravention. Nous ne pouvons pas accepter pour Anel Belizère, un ancien député qui a servi pays, en prison parce qu'elle ne va commettre ni crime, ni délit, ni contravention. Nous ne pouvons pas accepter également pour Gary Filemon, le professionnel de gris professionnel en prison et toutes les prisonniers politiques, stérile, babasse et toute l'autre en prison. Pour nous dire, juge pour responsabilité. Nous connaissons Jovenel Moïse, c'est-à-dire le 50 juges compris. Nous connaissons effectivement justice là, son justice qui pourrit, qui décrié, qui prise en otage par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous avons dit qui correct pour responsabilité dans le dossier ça. Nous avons dit même si SPJ pour responsabilité dans le dossier ça. Parce que c'est nous-mêmes de Parisiens qui peut. C'est avec texte nous on touché. Parce que nous ne pouvons pas accepter pour des jeunes garçons qui ne peuvent pas commettre ni crime ni délit ni contravention pour aujourd'hui on a et on a profité pour annoncer machin. Pour nous dire qu'à commencer devant le coup de cassation, qu'à finir devant le ministère de la Justice, c'est 18 mai. C'est le dernier, mais ce n'est pas le dernier. Parce que tout autant, monsieur Sayo, pour vous conclure ça, la justice n'a pas de responsabilité pour libérer les prisonniers politiques. Et toute la communauté libérée, on a continué, grand béton, on a continué, demander libération. Les jeunes sont capables, on a fait marche. On a fait manifester, on a fait tout ce qu'on est, que la loi n'a pas été dit. C'est pour ça. Nous-mêmes, nous avons un avocat engagé pour libération pour les politiques. Nous déjà entré en contact avec l'avocat dans 18 juridictions pays. Nous répondons positivement. Il a accompagné nous dans la marche qu'a toujours faite pour nous joindre libération. Tout le monde, particulièrement Kimik, Job, Babas, Gary Filemon, Anel Belize, Estéril. Parce que ce sont des jeunes garçons qui t'a demandé meilleures conditions de vie, qui t'a demandé à l'hôpital, vous ne jouez à le pouvoir conscient, le pouvoir compu, t'as qu'à prendre pour jeter dans la prison. On regarde dans tout pays dans le monde, on regarde en Chine. Le coronavirus est venu, dirigeants ont dit, ils ont fait l'hôpital pour recevoir combien de monde. Coronavirus est en Haïti, c'est des dirigeants par nous, exemple ministre et travaux publics. Ils ont fouillé force pour l'enterrer le monde. T'avais dit, n'est-ce pas, côté la guerre.
Mouvement professeur révolté. Mouvement professeur révolté. Maintenant, pour enchaîner la presse, pour continuer à gros bataille la semaine pour tout professeur qui vient la nomination dans le dans 10 départements pays. Pour ministre Pierre-Joseph Avino Kadè, dégagé le temps pour mettre Jean-Jacques pour payer professeur Sayo. Maintenant, nous prenons la presse. On dit ministre Pierre-Joseph Avino Kadè, s'il besoin de payer nous effectivement, il connaît qui bon pour chercher Kobla. Premièrement, il prend le Fonds national d'éducation. Il peut essayer de faire la même Martine Moïse. Après ça, il prend 3 millions de dollars américains, partenariat mondial de l'éducation là, avec comme il était bail pour accompagner les professeurs dans le moment coronavirus. Là, il prend 3 agences à remettre ensemble. Il a payé tout professeur qui a l'autre nomination dans le monde. Nous continuons pour nous dire, vendredi 14 mai 2021, mouvement professeur révolté après la RIA. Rendez-vous à Cassé devant l'École nationale Virginie Saint-Père. Nous, pas stratégie, nous pas dit qui côté n'a pied. Parce que l'homme dit n'a quel côté, nous voyons la police. Mais c'est ça, ministère a gagné dans le département de l'Est là, vendredi matin à 10h, c'est là à pied. Tout professeur à la Honde, ça m'a privé, ça m'a l'État. Rendez-vous à Cassé, devant l'École nationale Virginie Saint-Père. Nous pouvons fouler la rue, nous pouvons continuer à fouler le béton parce que faut que nous payions l'argent. Question de l'abdi, lettre mal faite, des faux papiers, des bons papiers, nous disons nous-mêmes, ça ne pas garder nous parce que ce n'est pas professeur qui nous met tête. Et nomination, bon procédure. Bon, Jean, ça fait. Et, n'a pas appelé tout le monde pour l'histoire, tout. Même à Yen, on a dit, bien, le monde qui a faux papier dans la main, qui nommé, à Yen, lui-même, tout, nommé en plus le monde avec faux baccalauréat, faux diplôme, nous bien archive pour ça. Rendez-vous à Cassé, vendredi 15 mai, n'a pas réuni dans l'École nationale Virginie Saint-Père. Nous parlons dans une bureau, le ministère de l'Éducation nationale, pour forcer l'État pour nous. Parce que c'est la constitution haïtienne, la constitution 46 là, qui bat nous droit pour nous travailler. Et si nous travaillons, il faut que nous rémunérer. Parce que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Ce n'est pas demander notre mandat, Gilo. Ce n'est pas demander notre mandat, l'État haïtien. Nous travaillons.
faut que nous touchions. Eh bien, nous dit, mouvement professeur révolté a quitté la UIA, c'est le tout professeur qui vient la nomination dans la main, joindre l'agent. Merci. Saint-Jacques. Bon, on a commencé comme ça, avec les paroles du grand philosophe, du grand sociologue Karl Marx qui dit, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine l'être social, mais c'est plutôt l'inversement. Ça veut dire qui ça? C'est conscience nous qui permet d'assumer la responsabilité nous dans la société. Et c'est pour résoudre ça, matin, le mouvement des professeurs révolté, nous planifions une conférence pour la presse pour nous dire avec le gouvernement, l'État central, que professeur l'école, pas capable de continuer la situation exécrable que vous mettez là. Même considéré M. Jovenel Moïse, l'alternat dans la campagne, il te dit, nous avons terre, nous avons soleil là, nous avons monde. Donc, après ça, assiette yo. Donc, là, qu'on a nous gardé dans l'assiette là, mais ça nous vient là-dedans. Est-ce que vous êtes à l'école, est-ce que moun, bon, pas même vous êtes à l'école, est-ce que moun qui a mangé terre avec roche? Donc, nous-mêmes, matin, nous venons dire avec la presse, avec la société, il faut au moins pour l'école de l'autre regard, pour ceux qui sont personnel éducatif, qui sont en fonction publique, il faut que l'autre regard pour eux. Et peut-être ça, nous avons demandé pour Agenor Kader prendre responsabilité dans la tête du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, ministre Agenor Kader, il y a 3 ans depuis qu'il prend le système ça en otage. Je ne sais pas sur qui base. Je ne sais pas qui confie en nous. Et nous quand même poser des questions sur qui base. On sait des mounes à nommer dans le système là pendant 7 ans. Il y a des mounes qui viennent de nomination. Regardez, on pitance pour monsieur l'école a touché qui environ à 13 200 gouttes. L'on retire les taxes là-dedans. Lui, on a joué 10 000 gouttes. De 10 000 gouttes haïtiens par rapport avec taux d'inflation, nous avons posé une question de qui ça en ligne qui a réglé à 10 000 gouttes. Mais c'est lui, il fait réel, son réalité lié, il pourrait se toucher. Et mais c'est pour lui, pour se faire 2 ans, 3 ans, 4 siècles années, jusqu'à présent, nous pourrons jamais recevoir une goutte. Donc, nous décider pour nous capables de joindre salaire, pour nous capables de joindre moyen. Pour nous fonctionner la caillou, parce que bon question de COVID-19, l'État mandé pour nous étendre dans la caillou. Or, pour nous étendre dans la caillou, nous connaissons une question, ça que la famille. Donc, il faut qu'on capable de répondre avec besoin familial. Donc, nous pas capables. Donc, nous décidons, au lieu de nous confiner tout le monde dans la caillou, nous allons confiner. Non, on annexe ministère de l'Éducation nationale. C'est peut-être ça, vendredi 4-15 mai. On a invité tout professeur à la ronde dans 4 pays. On a devant l'annexe ministère de l'Éducation nationale. Nous pas dit qui côté pour des raisons stratégiques. Mais nous entendons déjà, on a devant l'annexe ministère de l'Éducation nationale pour être capable de continuer à demander à agir dans le cadre de tout professeur qui est dans une situation irrégulière. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petit cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.